Mélenchon président. Mélenchon président. Face aux accusations de la foule. Ça claque ou quoi? Je l'avais pas vu, il claque un peu dramatique la musique. Bah devine pourquoi je l'ai choisi la musique dramatique. Mais moi j'avais dit je veux pas un générique écolo, genre avec des arbres, des petits animaux, un ours blanc sur la banquise qui est en train de fondre. Je fais non, en fait c'est l'urgence, c'est le débat du siècle, genre c'est l'enjeu du siècle, c'est l'urgence climatique, c'est le rapport du GIEC. Allô? Allô? Un ours blanc qui fond. J'ai cru voir Jean avec un costume ce week-end, sûrement une hallucination. Oui j'ai mis une veste! Oui j'ai mis une veste! Pour la première fois en 7 ans de stream. Vous avez vu ce que je suis prêt à faire pour vous quand même? Samedi, il y avait la manif. Il y avait la manif climat. Moi, j'y suis allé et on avait des affiches pour le débat du siècle. Je suis peut-être le seul streamer au monde à avoir eu des affiches dans une manif qui renvoie vers ma chaîne pour suivre un stream. Oh ouais, c'est marrant. Chers amis, sexe semaine. Ouais, c'est une semaine ça. Comme j'ai ça. J'ai l'absucé. C'est sympa là le sable là dans l'air là. C'est pareil, c'est un peu radioactif comme sable. Sérieux? Ouais. Comme il y a eu des essais nucléaires français. Il y a eu des essais nucléaires dans le Sahara, donc le sable du Sahara est contaminé. C'est ce qui s'appelle chier dans le ventilo. Exactement, ouais. Quel est le surnom de rappeur qui a été donné à Emmanuel Macron par ses collaborateurs? Voilà. Réponse A, Orelsan. Réponse B, Lafouine. Réponse C, Eminem. Réponse D, NTM. S'ils avaient de l'humour, ils diraient Lafouine. Je pense qu'ils auront l'humour une fois avant de se faire dégager s'ils l'appellent Lafouine. Ouais, c'est clair. Mais la bonne réponse, c'est bien la réponse. C'est bravo le chat, vous aviez la réponse, effectivement. Je vois bien lâcher, tu vois, un slam, tu vois, en mode rap god à 120 mots par minute. En Sacha, t'en penses bah, quoi? Moi, je suis le chat, hein, ça me paraît le plus propre, enfin, le plus logique. Je note que depuis le début de cette émission, tu fais que suivre le chat. Oui. Sacha, va falloir que tu t'émancipes. Non, il va falloir que tu t'émancipes un moment, c'est vrai. Prends tes risques. Oui. Bah, je vais... Non, tu peux rester sur ta réponse, je suis désolé. Alors, je mets 1, 2, 3. Oh la vache! Ça va Sacha, tu tiens le coup? Je vous ai dit que la semaine avait été longue. Ouais, tu nous laisses. C'est la preuve concrète. Moins d'écran et mieux d'écran. Je me souviens de la campagne de 2012 où il y avait des candidats qui avaient dit il nous faut un OS français. Et du coup, il y avait eu des blagues déjà sur Twitter à l'époque sur t'imagines ton ordinateur qui démarre avec le drapeau français et tout. Bonjour. Il se rend bas l'écran comme Clippy, le trombone de Ward. Tu vois, t'auras toujours la tête de Macron. Alerte laïcité. Oh, l'enfer. Alerte laïcité. Ça n'est pas la République, le site que vous comptez. Ça serait bien, ça. Qui a commis le lapsus suivant? Les empreintes génitales. Ah. Au lieu d'empreintes digitales. Est-ce que c'est pas une forme d'empreinte digitale, une empreinte génitale? Finalement. J'ai jamais testé. Est-ce qu'on a une empreinte génitale unique ou pas? Cette conversation est gênante. C'est une conversation importante. Peut-être qu'un jour, t'arrives à la préfecture, tu devras petit bag un scanner. Oh non. Là, un petit squat. Comme ça, tac. Tu dis qu'il y a des politiques qui regardent cette émission et qui hésitent à venir. On n'est pas bien, décontracté du gland. Là, tu déjà que tout le monde a pas les mains propres. Mais non, mais t'as un truc de gel hydroalcoolique et tout ah ça, oui, tu vois, sûr. Un petit spray. Moi, je fous pas du gel hydroalcoolique. Et elle est fatigante cette campagne, oui. Vous avez vu les talons qu'elle en est. On est en roue libre totale. Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Backseat. 2 ans et demi de campagne. Jean-Luc Mélenchon. Ah, il commence bien. Une majorité se comporte toujours comme une majorité. Oui, mais... Si vous arrivez au pouvoir et qu'il y a une majorité de députés, La République En Marche, La France Insoumise, de fait, pardon, du coup. Ça fait deux fois aussi... que vous confondez Mélenchon je suis et Mélenchon. Mais c'est la même lettre au début, c'est compliqué. Non. Regardez, on peut écouter cet article. Ah et en plus il y a une pub de merde. Tu te coltines une pub avant ton article. Oh merde. On va écouter l'article. Présidentiel 2022, Jean-Luc Mélenchon montre la force des insoumis à 3 semaines du scrutin. Mélenchon président. Mélenchon président. Face aux acclamations de la foule. Eh vas-y, mais en plus d'entrain meuf. C'était un slogan de manif. Je peux pas dire ça que Mélenchon président. Mélenchon président. Ne criez pas mon nom, criez. Ah putain, il y a un robot qui nous lit l'article, c'est énorme. C'est Cortana. Oui, c'est Cortana. Vas-y Cortana, on t'écoute. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais pas quoi penser de cette expérience auditive. Avant, vous regardiez un streamer qui lit un article. Là, vous avez un streamer qui écoute un article. C'est perturbant. Qui a mené non seulement à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Attention, je vais éternuer. C'est parti. Ah non, c'était pas parti.
Oui, voilà, c'est ça. Je suis fidèle à mon parti, etc. Alors, j'allais dire, c'est ce qu'il a... Ça va, Léa? Tu squattes l'image. Et là, on se tape encore ces gugus pendant encore combien de temps, quoi, qui sont là en train d'essayer de gagner, de choper des circos, de ceci, de cela. J'en ai marre. Tu penses qu'il faudrait plus de quoi en politique? Peut-être de femmes. Ouais. Bah, montre-le à la caméra. Parce que... voilà. Dis-le qu'il faudrait plus de femmes en politique. C'est un message d'accord. très personnel à Nicolas Sarkozy, à François Hollande. Arrêtez. Ça suffit. Je veux carte blanche pour ceux qu'on va oublier peu à peu et qui auront dans leurs yeux quelque chose qui fait mal et qui s'appelle le chômage. En mai, ça va être brutal pour les ministres parce que c'est la fin de ce que l'on peut appeler la trêve quinquennale. Voilà, ça va être terrible le moment des expulsions des hôtels particuliers du 7e arrondissement. Je vous propose donc des actions de solidarité partout où l'on peut. Hein, peut-être d'abord un accueil là où ils ont des amis ou de la famille, le Sénat ou l'Assemblée nationale. Après, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, hein, donc même un hébergement d'urgence dans une mairie d'arrondissement à deux chiffres. Pour terminer, je voudrais faire donc une petite mise en garde à tous ceux qui sont depuis plusieurs années dans les cabinets ministériels parce qu'ils ont bossé. Alors peut-être pas bien, mais ils ont beaucoup bossé. Beaucoup, ils ont stressé, ils ont peu dormi. Attention au changement brutal de rythme. Passer de n'avoir le temps de rien à rien, c'est hyper violent. Les symptômes sont terribles. Il peut se passer des trucs genre palpitations, anxiété, terreur nocturne. Pourquoi j'ai pas fait backseat? Jean Massier, Léa Salamé? Non, Jean Boncel. Usul, Oui, parce qu'en même temps, il y a cette contrainte économique. Ouais. Ouais, vous êtes aussi pressuré, on vous serre le kiki. Alors, j'ai remarqué que serrer le kiki est devenu une expression officielle. Serrer le kiki, mais ça veut maintenant, dire quoi? Serrer le kiki, ça mais veut dire. Mais quel kiki? Pressuré. On avait une discussion intéressante jusque-là. Merci. Vraiment super, la backseat vient de. Okay, bon, ouais. Pour moi, le kiki, c'est soit le truc que tu mets dans tes cheveux, soit. Très bien, je crois que c'est la bistouquette. Donc, je crois que c'est vraiment. Très bien, ça. On enchaîne. Oui. Alors, pourquoi je parlais de serrer le kiki? Je sais pas, t'es parti dans un truc là, mais là, tu reviens de perdre le contrôle de backseat. Tu sais, les peluches qui suçaient le pouce. Ah oui, il y avait les kikis, ouais, c'est ça. Oui. C'est le kiki de tous les kikis. Mais moi, je participe à la discussion. Eh, on enchaîne. Là. Mais moi, j'essaie d'enchaîner. C'est vous qui avez bloqué sur serrer le kiki. Voilà. Je vous ai dit, en plus, c'était validé. Macron le dit, tout ça. On a le droit de dire serrer le kiki. Ok, les pieds sur la table, vas-y, très bien. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un certain nombre d'autres acteurs que toi de ce milieu-là qui en diraient vachement plus si on ne leur serrait pas les cordons de la bourse. Voilà. Lequel de ces goodies n'est pas vendu sur la boutique des jeunes avec Macron? Un briquet parce que c'est mon briquet. C'est tellement drôle. Réponse B, un décapsuleur avec la tête d'Emmanuel Macron. Réponse C, un cache webcam avec les yeux de Macron. Quoi? Oh, le bad. Ou réponse D, les t-shirts taille L comme liberté. À la place de ta webcam, t'as les petits yeux de Macron qui te regardent pendant que t'es en train de te... ou de jouer. Eh ben, elle est bien cette émission, hein, franchement. C'est encore une histoire de kiki, là, c'est ça? Moi, ok, ouais. Ok, j'avais compris. Relance pas sur le kiki, s'il te plaît. Je repense au public qui, lui, a baqué le projet. Merci pour l'argent, hein, les gars. Pour mieux comprendre les clés de la politique, mieux maîtriser les codes. On apprend des trucs dans Backseat, c'est incroyable. Et voter en citoyen éclairé. Des t-shirts où il n'y a rien d'écrit dessus, mais juste la taille L comme liberté. Non, ça pourrait être écrit dessus. Ah, c'est pas L comme liberté. Le M comme Macron. Le M comme Mac. E comme En Marche, tu vois. Non, Emmanuel. S comme... Ah oui, bah oui. Bah oui, oui. Oh là là. Je cherche trop loin. B comme Brigitte. C'est quoi une taille E? Ça n'existe pas. Moi, j'étais sur les tailles. Bataille enfant. Bataille enfant. Ah, voilà. Petit bavoir. Bah si, en soutien-gorge. Les soutifs Macron. Comme moi, par exemple. D'accord. Taille Emmanuel. Ah non, cette émission, mais jusqu'au bout. Je regrette pas d'être venu aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps qu'on les a brûlés, nos soutiens-gorge. Je crois que Damien Abad, il est en train de regarder, il fait non, mais je viendrai jamais dans cette émission, c'est mort. Je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas comme ça quand il y a invité politique. La bonne réponse, c'est bien la réponse D. Le cache-webcam avec les yeux de Macron. Il existe. C'est quoi le prochain grand projet, Jean? Dormir? C'est mon grand projet. Le sommeil du siècle. Oui, c'est ça. La sieste du siècle.